Nous sommes ici à Nivelles, à la collégiale de Nivelles, en Brabant-Wallon, un lieu chargé d'histoire. La collégiale est liée à la vie de Sainte Gertrude, qui a donc fondé ici une abbaye au 7e siècle. Elle était la première abbesse d'une abbaye. Et puis, Sainte Gertrude a été vénérée, je dirais, par des centaines, des milliers de pèlerins qui ont fait qu'on a, après sa mort, construit des églises toujours de plus en plus grandes pour accueillir ces pèlerins, pour arriver à l'édifice d'aujourd'hui, qui a presque 1000 ans. Il a été consacré en 1046. Un édifice roman qui a été récemment restauré, puisque pendant tout ce millénaire, il y a eu jusqu'à une vingtaine d'incendies ou destructions, mais chaque fois avec des reconstructions. Et le dernier incendie date de 1940, où les Allemands ont bombardé Nivelles, la collégiale a brûlé. Et voilà, elle a permis de redécouvrir toute une série de choses, notamment l'évolution des églises dans les sous-sols, où on a retrouvé aussi la tombe de Sainte Gertrude. Voilà, cette collégiale a été restaurée dans un style roman du XIe-XIIe siècle, avec la particularité qu'elle a un double cœur, un cœur orienté à l'est, comme le sont en général les églises, et un autre cœur orienté à l'ouest, comme l'étaient, on pense, les églises à Rome du temps de Charlemagne. Voilà, aujourd'hui, la collégiale reste un lieu très visité, parce qu'elle est vraiment particulière, justement, grâce à cette restauration dans un style roman des XIe-XIIe siècles, un style donc roman rhénan. Elle est une des plus grandes églises romanes d'Europe. Elle fait une centaine de mètres de long.
et le Sainte-Gertrude qui est toujours vénérée et fêtée tous les ans grâce à un tour autour de la ville de Nivelles où ses restes sont montés sur un char du XVe siècle tiré par des chevaux qui fait tout le tour de la ville.